Bonjour frères et sœurs. Je viens de voir une publication sur Facebook et ça m'a donné l'idée de faire une vidéo. Je ne vais pas vous dire quelle est la publication, mais ça m'a poussé à réfléchir. Et je voudrais partager avec vous le fruit de mes réflexions. C'est l'histoire d'un monsieur qui est parti avec son fils à la chasse au crabe. L'enfant, il avait trouvé un peu bizarre que le papa ne prenne pas un couvercle. Mais bon, il a suivi. Ils arrivent, le papa, il pêche. Quelques crabes, ça bouge dans le fond du panier. L'enfant dit, mais papa, on n'a pas envoyé quelque chose pour fermer. Les crabes, là, ils vont fuir. Il a dit, non, non, laisse ça. Il pêche. Les crabes arrivent à la moitié du panier. L'enfant, il est toujours. Le papa lui dit, non, non, laisse. Jusqu'à ce que le panier soit plein à ras-bord de crabes. Ils prennent le panier, ils rentrent chez eux. Et quand ils arrivent, l'enfant ne tient pas. Papa, mais pourquoi tu n'as pas envoyé un couvercle pour fermer le panier? Puis l'enfant, le papa lui a demandé, est-ce que tu as vu les crabes sont sortis? Il dit, hey, c'est vrai, ils ne sont pas sortis. Il dit, mais je savais qu'ils n'allaient pas sortir parce que c'est comme ça que sont les crabes. L'enfant n'en revenait pas. Mais papa, comment tu as su? Il dit, ben, c'est par observation. Mon papa me l'avait dit. Et mon grand-père a dit ça à mon papa. Donc moi, je te dis aujourd'hui. Quand on va pêcher, quand on va à la chasse au crabe, là, on n'a pas besoin de fermer le panier. Parce qu'aucun crabe ne va laisser l'autre sortir. C'est comme ça ils sont. L'enfant dit, mais c'est vrai, ils ne sont même pas sortis. Et il regarde le panier, les crabes sont en train de bouger à l'intérieur, mais aucun ne sort. Morale. Nous sommes comme ça dans nos pays. Nous sommes comme ça sur le continent, nous les Noirs. Dans les pays. On a des oppositions. A, B, C sont des opposants qui s'opposent à D. A et B sont impalables. B et C sont impalables. C et A sont impalables. Mais D, qu'est-ce qu'il fait? Mais il les regarde. D, il fait quoi? Il les regarde comme le papa de l'enfant a dit à l'enfant, ne t'en fais pas, ils vont même pas sortir. Parce que quand les gens arrivent au pouvoir, ils prennent le temps d'observer l'opposition. Ils savent tout de suite à quel genre d'opposition ils ont affaire. C'est comme ça aussi quand la France voit, nous regarde de là où elle est là. Les autres présidents qui sont venus, qui se sont succédés, ont toujours dit à celui qui arrive après, ne t'en fais pas cela. Ils ne pourront jamais rien faire parce qu'ils ne vont pas s'entendre. On a parlé du franc CFA. Pendant qu'il y en a qui se battent pour dire que le franc CFA n'est pas bon. Pendant que les chefs d'État, certains chefs d'État disent que le franc CFA n'est pas bon, il y a d'autres chefs d'État qui disent que le franc CFA est bon. Crabe. Comportement de crabe dans un panier de crabe. Quand est-ce qu'on va s'en sortir? Ils nous connaissent comme le papa de l'enfant connaît, savait que les crabes n'allaient pas s'en sortir, donc ils n'avaient même pas à se soucier. Quel effort ils vont faire? Ils n'ont même pas à se fatiguer. Entre vous-même, vous allez vous entretuer. Entre vous-même, vous allez vous entretuer. Les luttes de pouvoir, les luttes de ceci, les luttes de les luttes de leadership, les luttes de c'est moi qu'on doit, c'est moi on doit voir que c'est moi qui suis ceci, cela. Nous sommes des crabes. Tous. Nous nous comportons comme des crabes. On ne va jamais s'en sortir. Nous avons des oppositions dans les pays où les opposants eux-mêmes, ils se font la guerre. Mais qu'est-ce que vous voulez que celui qui est au pouvoir fasse? Il vous regarde. Il n'a même pas de souci. Il passe à autre chose parce qu'il sait qu'il n'a même pas besoin de prendre des dispositions. Vous allez vous entretuer. Nous sommes des crabes. Nous nous comportons comme des crabes dans un panier. Aucun ne va vouloir sortir l'autre, ne va vouloir laisser l'autre sortir. Quand il essaye, les autres le ramènent dans le panier. C'est comme ça nous sommes. Donc sur le plan africain, on va toujours avoir des difficultés. Dans nos pays, on va avoir des difficultés. Dans nos partis politiques même, qu'on crée là, il y a des crabes, c'est des paniers à crabes. Dans les partis politiques même que nous créons, il y a des paniers à crabes. Il y a des luttes de leadership, des luttes de positionnement. Donc aucun ne veut laisser l'eau sortir. Alors que si un crabe, les crabes poussaient en dehors. Et au fur et à mesure, ils se poussaient les uns les autres. Le dernier qui allait rester dans le panier, les autres allaient peser sur le panier et puis le dernier allait sortir. Mais non. Nous sommes
des crabes. Et nous nous comportons comme des crabes dans un panier à crabes. Et nous allons rester des crabes. Et ceux qui vont aller à la pêche aux crabes, ils vont toujours laisser le panier ouvert parce qu'ils savent que aucun d'entre nous ne sortira parce que les autres vont l'empêcher de monter. Arrêtons d'être des crabes. Arrêtons de nous comporter comme des crabes qui sont dans un panier. Faisons un effort pour regarder dans la même direction, dans nos partis politiques, dans nos pays, dans l'opposition. L'opposition est là pour critiquer les comportements du gouvernement pour le meilleur de la population. Mais quand on est dans l'opposition, ce n'est pas dans l'intention absolue de devenir président de la République, de devenir ministre. On peut servir à tous les postes. Donc ensemble, là, tous les crabes, là, poussons un crabe à sortir du panier. Et maintenant, le crabe, quand il est sorti, là, qui s'arrange pour que les autres crabes, on sort comme ça, un à un, et puis après, tout le monde appuie le panier pour que le dernier crabe sorte. Sinon, on va rester toujours dans le panier et on va aller nous cuire. Comme ça s'est passé pour cette pêche au crabe. Le monsieur, il a pris son panier, il allait préparer le crabe. On va toujours être mangé avec bruit. Comme quand on mange le crabe, ça fait du bruit là. C'est comme ça, on nous mange tout le temps. Parce qu'on s'empêche les uns les autres de sortir la tête du panier. Arrêtons d'être des crabes, s'il vous plaît. On fait le jeu de ceux qui nous gouvernent, qui veulent qu'on reste dans le panier. On fait leur jeu. Sans le savoir. Et on met les choses sur Facebook. Ils regardent et ils rient. On met ça sur Facebook. Tout le monde est sur Facebook. Ils regardent, oh, regarde-les. On a besoin de se fatiguer. À chercher à forcément fermer le panier. Les crabes ne sortiront pas. Cessons d'être des crabes. Il en va de notre survie. Tant dans nos partis politiques, tant dans nos pays, qu'au niveau même du continent. Arrêtons d'être des crabes dans un panier.